go inside. Your feet on my way inside my way. J'ai pas montré mes cheveux. Non, c'est bien. On voit la couleur là. Faut se mettre au soleil. Viens juste montrer tes cheveux là. Viens ici. Lève-toi, douillette, t'es un chevalier. Mais là, y a pas du tout de lumière. Mais si, regarde, on voit très bien. Ah si, elle est cool la couleur. Allez. T'es drôle. Eh oui, mais je suis en train de chercher une idée. Bah explique. C'est super dur à expliquer. Il s'est passé tellement de choses. Récap rapide. Elle a peur que le vlog ce soit un enfer. Alors récap rapide, donc on a été chargé de faire la bande-annonce du festival qui s'appelle Le Kiff. Merci bébé, c'est super. Du teaser qui va présenter Le Kiff et on doit faire la bande-annonce du teaser. Cette année, il y a une des thématiques de ce festival donc de cinéma, c'est les comédies musicales. Donc il faut qu'on fasse une musique d'une minute, façon un peu comédie musicale, avec certains mots-clés. Donc il doit y avoir dedans Le Kiff, bien sûr c'est le nom, Quimper et d'autres petites thématiques. Et là j'ai une petite idée. Donc je me suis mis au piano pour chercher un peu une idée de mélodie qui serait chouette. Donc là pour l'instant j'ai ça. Go inside. Go inside, you're feeling on the way inside my heart. Voilà. Et donc l'idée, c'est de la faire un peu plus façon... Go inside. J'ai l'impression qu'elle est pas mal la mélo. J'ai peut-être un couplet. Na, 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 na. Na, na, na. You sing and dance, ding 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 ding. Est-ce que tu veux écouter mon idée couplet? Tu sais, il voulait des voix filles et mecs, c'est ça? Oui. Peut-être qu'on pourrait faire un truc un peu calme pour le début. Ouais. Genre par exemple toi qui fais. Et puis là moi je peux faire. Na, 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 na. Tu vois, il faudrait qu'il y ait un espèce de... avec plein d'instruments. On a fini. Donc ce serait bon. C'est une bonne idée, non? Je pense que si on fait toutes les armos années 50, là, à la The Cordette, sur un truc comme ça, ça défonce. Hein. Mais ça peut être trop cool. Par contre, le taf de recherche d'armos, il va être très très drôle, je pense. Mais ça va être marrant. J'ai encore une idée. Elle est dans un micmac. You're in my... You're in the night in Santa for... For... Tu vois l'accord un peu? Oui, je vois. Plein de voix qui viennent en plus et tout. Voilà. Je suis éclatée, je sais pas combien d'heures j'ai passé sur le vlog de la semaine dernière pour vous. On le voit d'ailleurs dans le vlog, j'ai passé déjà pendant la résidence du temps à faire le montage. J'en ai encore fait jeudi, vendredi et aujourd'hui. Et je suis éclatée, mes yeux ne veulent plus faire du vlog tout simplement. Et du coup là j'ai fait des gâteaux. Et Loulou l'autre jour avait vraiment envie d'un marbré, du coup je me suis dit je vais lui faire un marbré. Et sauf que combien de fois on va le dire avant de faire une recette, lisez la recette en entière. Ce qui fait que j'ai fait tous les trucs, ils disent mettez les jaunes d'œufs, tout ça. Je jette les blancs et après monter les blancs en neige. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va pas être trop lourd, mais bon. Mais du coup, Loulou, lui, il est encore sur sa chanson comédie musicale. Je sens qu'il va pas tarder à arriver parce que je pense qu'il sature aussi. Ça fait depuis... Il est posé toute la journée dessus. Donc là, je pense qu'il va s'arrêter un peu. Et voilà, je vous montrerai le gâteau. Je suis là. Donc du coup, comme je disais hier, il y a l'intro au piano. Oui. Puis après, ça fait... Non. Your way, you're feeling on my way, and I'm going inside, going inside. You're feeling on my way, and I'm going inside. Un truc qui part en cacahuète avec des armos partout. C'est bien. C'est bien ou pas? C'est top. C'est ça, regarde, les bips. J'aime trop.
Mais c'est bien, non? J'aime trop le mood. J'adore cet accord. J'ai pas goûté encore. C'est bon. C'est bien, t'as inventé une recette. Oui, c'est un marbré au sarrasin. C'est bon. En tout cas, c'est hyper moelleux. C'est ultra moelleux, c'est marbré. C'est extra bon. Hein. Goûte, tu vas voir. Attends, j'attends que ce soit net. Je me suis lancée, après j'avais plus de farine. Chocolat sarrasin. J'ai laissé mes cheveux sécher comme après, ça. Après, ça va blinder le monde. Du coup, j'ai une coiffure de chanteur coréen. J'ai l'air débile. Mamie, tu fais un documentaire sur ton gâteau? Oui. Non. Et je sais pas si je fais. Voilà. Ça peut-être. Ok. Genre, je commence la chanson par. Ouais, c'est bien ça. C'est très bien ça. Bah ça a l'air pas mal. Pourquoi les pistes sont solo, je comprends pas. Toutes les pistes sont solo. Mais c'est pas grave. Bah si, du coup c'est galère comment. C'est galère. Quelle galère. Soyez prêts. C'est... Soyez prêts. C'est... C'est dur. Celle qui fouet. Oh là là. Une pire mélodie, non. Soyez prêts. Celle qui fouet. Tu veux quoi, un apéro? Bah j'ai déjà mangé un Babybel hein. Et des pistaches. Je veux bien une menthe, s'il te plaît. Celle qui fouet. Attention, gardez les yeux grands ouverts. Ouais. Bon, j'aimerais bien avoir un truc plus abouti. Hein. C'est... Celle qui... C'est pas compliqué. Mais... Celle qui fouet. Je crois que je l'ai même pas dessus encore. Je suis pas dessus! C'est horrible! Mon cerveau il veut pas! Celle qui fouet. Celle qui fouet. Le septième art dans les rues de Quimper. Soyez prêts! Ah, putain de boucle de. Je l'ai là normalement. Soyez prêts! Oh, 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 oh. Ça marche pas! Parce que d'habitude, quand t'allonges, il te garde ce que t'avais fait. T'sais, ah, c'est bon. Il avait bugué. Vas-y, je fais juste ton bac en grave. Le septième art dans les... Attends, comment tu le fais? Le septième art dans les rues de Quimper. Le septième art dans les rues de Quimper. Je crois pas qu'il y a un trou. Le septième art dans les rues de Quimper. Ouais, plutôt. Mais sauf qu'on entend des trucs bizarres quand tu le fais. Parce que je fais le septième art dans les rues. Et toi, ça rend bien. Mais ça s'apprend de faire ça. Le sept... Mais oui, mais moi, c'est pas ma technique. Le septième art dans les rues. Septième art. Le ouais. Septième art dans les rues de Quimper. Quimper avec un le P. Le septième art dans les rues de Quimper. Quimper avec un P. Quimper. Merci, parce que le Quimper, ça va deux secondes. Hein. Vas-y. Soyez prêts. Celle qui fouet. Le septième art dans les rues de Quimper. Le A, je l'ai fait comme tu voulais. Ouais, c'est bien. Soyez prêts, celle qui fouet. Attention, gardez les yeux grands ouverts. Un truc comme ça. Ouais. J'arrête là, ok. Ouais. Attention, gardez les yeux grands ouverts. J'ai pas pris mon souffle, je suis complètement con. À quel moment je prends pas mon souffle? Mais à quel moment tu joues du piano tout le temps? J'ai pas assez de souffle. On sentait que c'était compliqué. Mais c'est super aigu. Les yeux grands ouverts. Voilà. Voilà, c'était beaucoup plus timbré là. Wesh. Tu veux du saucisson? Ouais. Il y aura peut-être du saucisson dans cette prise. Des réalisatrices, des réalisateurs pour les... C'était bon, là. Mm-hmm, je pense. On écoute. Des réalisatrices, des réalisateurs pour les...
soyez prêts, celle qui ferait. Attention, gardez les yeux grands ouverts. C'est trop bien, ça va être chouette. La fin, elle est trop bien. Le dernier accord, il est tellement trop stylé. C'est trop bien. Voilà, c'est bien. On a bien travaillé. Ça te va ou pas? Je pense, j'étais un peu cérébrale pour savoir où étaient les pauses, mais... Tu veux refaire une? Quelque chose qui vit en sang, toi. Si tu l'as, tu l'as. Elle a, elle a. Ok, je pense que j'étais bien. Moi aussi. Voilà. Il y a quelques semaines, on avait bossé sur une reprise de Weekend à Rome d'Étienne Dao. Et Louis voulait que ce soit Tony qui fasse la basse avec une vraie basse. Et pour ça, il fallait lui envoyer l'instru. Sauf que moi, j'avais pas tout à fait fini tout ce que je voulais faire sur les voix. En vrai, il reste pas grand chose. J'ai juste traîné parce que j'avais d'autres trucs à faire qui sont passés en priorité, dont le Pénitona qui est passé devant. Mais du coup, là, il fallait que je fasse ça. Et je sais qu'il y avait quelques trucs dans l'interprétation qui me chafouinaient un peu. Des trucs à la con comme le bonheur soupir, qui était un peu down dans l'interprétation. Tout est hyper souriant. Et juste là, d'un coup, je sais pas pourquoi, c'était pas du tout aussi souriant. Et en le faisant, je me suis rendu compte que, bah justement, le bonheur soupir, j'ai vachement mieux la note que quand j'ai fait le morceau. Et dans la chanson, il arrive plein de fois, en fait, ce truc-là. Nanana. Et à chaque fois, j'étais un peu en force pour essayer d'atteindre les graves. Et là, en fait, je les ai nickel. Donc, j'ai refait toutes les notes graves. Donc, j'en ai pas pour long pour réintégrer ça dans les voix. Mais du coup, je pense que ça va être vachement mieux. Pas mal, j'en refais une par-dessus peut-être. Ouais. C'était pas mal aussi ça. Ouais. Mets une autre piste pour voir. Moi je veux bien le truc que t'as fait avant, mais je sais pas si il colle. Tu l'as? Ouais, mais tu l'écoutes pas. On peut, mais j'ai peur qu'on perde une basse d'un coup, mais bon, vas-y. Je trouve ça très beau. Mais... Oui, il est très beau. C'était la deuxième fois. Ok. Là, je peux faire juste ça, tu vois. Et après. Ouais, c'est joli. Ok, j'essaye là. Voilà. Okay. C'est là où on part en. Mets ton doigt là sur celle du haut pour pas qu'elle sonne. Mais c'est joli, non? Ouais. Par contre, faut enlever cette. Ouais. T'es prêt? Ouais. Ta blague. Si, 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 je la fais. Je vais la formuler le mieux possible. Ah. Quel est l'animal le plus mal élevé? La harpie sauvage. Non. Quoi? Je sais pas, la harpie. Pourquoi? Généralement, on dit pas les gens, ah, c'est une harpie. Genre, tu sais, mais c'est plutôt qu'elles sont pas commodes, c'est pas pareil. Je sais pas. C'est drôle. Oui, j'ai compris. Normalement, tu dois le faire comme ça. Le phoque. Oui, bah oui, le phoque, oui. Mais je fais ta queue. J'arrive à pouvoir raconter ta blague. Qu'est-ce qui te met plus mal à l'aise que quelqu'un qui te met un vent? Toi, tu connais la réponse. Je viens de la faire. Oui. On a rallumé la caméra juste pour ça.
Oui. Voilà, vous avez tout le vlog pour chercher. Vous pouvez mettre vos réponses en commentaire et on mettra dans le prochain vlog si on y pense. Oh non. C'est pas cool. Non. Non. Et on répondra aux commentaires. On dira oui, non. Oui, mais du coup, si personne n'a la bonne réponse. Bah, si personne met la bonne réponse, on dira la semaine prochaine. D'accord. Mais je suis sûr que quelqu'un va trouver. Non. Peut-être. Peut-être pas. J'ai peur du 180 bac. Mais les rails, par... j'ai jamais essayé, donc c'est pareil. C'est, là, c'est un peu l'inconnu, quoi. Les deux, c'est l'inconnu. Il fait beau. Par contre, les rails, ça doit être hyper satisfaisant quand tu les fais aussi. Il fait beau. Ouais, il fait beau. Et puis normalement, il fait beau longtemps. Oui, il fait beau longtemps, c'est ce qu'ils ont dit. Ça, on verra. Ça fait trop bien. On a fait un morceau avec Tony qui s'appelle Ponyrama et qui devrait sortir incessamment sous peu sous les projets du coup Nitona pour nous et Genervt pour lui. Et du coup là, on réfléchit à la pochette et il m'a envoyé en gros une idée de pochette qu'il avait avec juste une bouche sur fond blanc. Et il voulait que je fasse des photos de ma bouche en mode vénère, douce, rouge à lèvres, extraordinairement rouge que je ne mets absolument jamais. Donc c'est parti, on va faire quelques photos. Bon, j'ai fait quelques trucs, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais du coup, là, je vais passer en mode retouche. Donc je vais mettre tout ça sur mon ordi, faire tous les détourages pour enlever tout mon visage, garder que la bouche, et mettre tout ça sur fond blanc, et on va voir ce que ça donne. Sur cette de musique, c'est quoi le mieux en fait? C'est quoi en, ouais, fait, bah en fait ça c'était une des questions, parce qu'on est un peu entre deux. Donc on le pitch en pop. Moi je me posais la question aussi au début, mais avec la team on s'est dit qu'on allait vraiment rester se concentrer sur pop par rapport aussi à votre profil, à celui de Shaya aussi. Donc pour nous ça nous semble cohérent. Même, okay. Même si évidemment vous êtes identifié, je pense, auprès des éditos France pour tout ce qui est chansons, etc. On a tout à fait ça en tête, mais il fallait qu'on essaye en tout cas d'élargir un peu. Ouais, ouais. La présence de Shaya. Donc on va voir ce que ça va donner. Et moi j'avais une question à Abby, c'est que ouais. Lorraine et Louis, ils ont pas que ce profil, ils ont aussi le profil Nitona. Il y a quand même un historique, Lorraine qui a gagné la Starac. Est-ce que ça peut renforcer le pitch ou c'est plutôt, en fait, il faut peut-être pas parfois tout mélanger, tout dire? Comment vous voyez les choses en général? Moi je pense que c'est important, en fait, dans les infos qu'on transmet aux plateformes, qu'on puisse transmettre le max d'infos qui puissent être impactantes, quoi. Je filtre un peu, mais je mets vraiment... Enfin, ces choses-là, je les mets, quoi. C'est des informations biographiques et tout, pour vraiment aller à l'essentiel. Parce que l'idée, c'est pas non plus que les plateformes reçoivent, genre... Bah oui, oui. Ok. Trop bien. Bon, à savoir. Bien. Sinon, je sais pas, bah du coup, j'y sais si toi, t'as eu des nouvelles de ton côté concernant les radios. Moi, donc, déjà, toutes ces infos-là pour les plateformes, ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. Moi, je suis resté pour l'instant sur les bons accueils que j'avais eu avant l'été, avant les vacances, qui étaient notamment sur Chéri FM, France Bleu, Europe 2, et ce genre de radio-là. En province aussi, j'avais eu des bons retours. Bon, forcément, entre-temps, là, comme vous pouvez le voir, cette semaine et la semaine dernière, il y a beaucoup de projets variété pop qui arrivent ces derniers temps. Mais voilà, je pense que le titre a clairement sa chance au vu des accueils qu'on avait eu à l'époque. Ça mettra peut-être un peu de temps, mais moi je suis relativement confiant par rapport à l'accueil que j'avais eu avant l'été, quoi. Ok. Yes. Et une fois que le titre est sorti, tu refais un tour? Comment? Là, moi je vais recommencer le tour avant. L'idée c'est de commencer à partir d'aujourd'hui, en reparler, parce que en parler le jour de la sortie, c'est décaler encore un peu plus les éventuelles entrées. Avec un gros objectif pour la province dans un premier temps, même si j'oublie pas les radios nationales qui ont bien aimé le titre, mais c'est vrai que je pense que ce titre-là, son succès passera beaucoup aussi par la radio en province, que ce soit du côté d'It West, Alouette, notamment dans le Grand Ouest, et les autres radios dont j'ai parlé tout à l'heure. Trop bien. Ok, bon, bah, trop bien. Bon, bah, de toute façon, on continue.
continue dans la conversation qu'on a. Si on a des questions, là, qui viennent juste en raccrochant. Et puis, on croise les doigts pour que ce titre ait une belle et heureuse vie. Bah, oui. Trop bien. Ça fait plaisir de voir tout le monde déjà. Et puis, les énergies sont très très bonnes, donc c'est cool. Yeah. Allez, on continue comme ça et on y va. Bon, ben, bon week-end à tous. Ouais, carrément, bon week-end. Bon week-end. Ciao. Ciao. Salut. C'est cool. Mais... Il y a une bonne, tu sais, une bonne vibe sur ce titre-là. Oui. On sent. Oh là là. J'ai dormi 4 heures. Est-ce que ça se voit à mes yeux que j'ai dormi 4 heures? Oui. Sûrement. Évidemment que ça se voit. Bonjour, c'est le matin. Tu veux faire quoi aujourd'hui? Peut-être que je finisse l'acoustique. Je sais pas. Ouais. Je vais finir le visuel pour Ponyrama, du coup. Et je vais réfléchir après, du contenu pour la sortie de Stay the Night. Il faut. Mais d'abord. Les gens, ils vont croire que tu passes ma vie à bouffer. En même temps, on mange beaucoup, hein. Tous les jours, on mange. Je dis à bouffer des conneries. Pas des conneries, hein, pas un chocolat. Non, c'est vrai.